Bonjour tout le monde, c'est Gunch de la Famous Team et je suis de retour pour faire l'épisode 6 de PPFH. Donc voilà, c'est parti. Maintenant, plus qu'à attendre là que ça charge. Donc, épisode 6, dépôt de bilan. Kai s'est rencardé sur la nouvelle opération de Dois. Ouais. L'heure est venue de voir ce qu'ils ont découvert. Ok. Une amphithéâtre, ok, d'accord. Équipement tactique. Ouais, tout en finesse. Tout en finesse. On va prendre ça, viseur laser. Ouais, je vais prendre autre chose comme arme. Non, pas la M16, A3. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme arme? Fusée de pompe, non. Tiens, on va prendre le P90. Et avec ça, on va prendre deux statiques. Hop. C'est parti. Je m'appelle Julian Dawes, et ce qu'on dit, c'est que je fais le ménage à Miami. En effet, j'ai débarrassé la ville de quelques fruits pourris, mais je n'y suis pas arrivé tout seul. J'ai passé toute ma vie dans la police. Et même si ça me coûte de l'admettre, j'ai fini par me convaincre que notre manière de travailler, notamment au stup, était inadapté et dépassé. Grâce à vos investissements, nous relèverons ensemble le défi de bâtir les forces de l'ordre de demain. Notre ancien capitaine a été bien occupé. Ah ouais? À faire le ménage? Écoute ça, ils appellent Dawes le chef de la police américaine. Wow. Mais ça sort d'où ça? C'est une vidéo de présentation pour des investisseurs. Preferred Outcomes, ça te parle? Non. Ça va pas tarder. Dawes pense que l'avenir des forces de l'ordre, c'est la privatisation. Preferred Outcomes, c'est son levier pour s'accaparer le marché. J'ai changé d'avis. Ramène-moi en prison. Peut-être plus tard. D'abord ça. Un concessionnaire? Non, une couverture pour la mafia coréenne, et Dawes est impliqué. J'imagine que t'as des preuves? Non, mais je connais quelqu'un sur place. Un certain Boomer. C'est un genre d'informaticien freelance pour salopards. Vous deux, vous allez le chercher près du concessionnaire. Il a des infos qu'on pourra utiliser contre Dawes. Ok. Perso, je dors. Pourquoi je suis censé te faire confiance? Parce que t'es le seul qui déteste Dawes encore plus que moi. Bon point. Kai, ton pote Boomer est à la bourre d'une heure. Ça décroche pas. Il doit y avoir un problème. Sans lui, on n'a pas d'infos sur Dawes. Ben... pas forcément. Quoi, pas forcément? Qu'on rentre là-dedans. Il reste du monde à l'intérieur? Appelle ma femme et dis-lui que je vais rentrer tard. Tu crois que tu peux faire ça sans merder pour changer? Ils sortent. Alors il va falloir que vous rentriez. Ils doivent bien avoir un registre des ventes, un historique, des codes de crédit, je sais pas. Cet endroit a l'air pourri jusqu'au trognon. Trouve l'ordi. La clé USB te permettra de craquer le mot de passe et de récupérer les fichiers. C'est un jeu d'enfant. Non? Espérons-le. Espérons qu'il n'y ait pas des gardes. Je n'achèterai jamais de bagnole à ce type. Hey Nick, tâche de veiller sur Boomer, d'accord? C'est un mec bien. On fera du mieux qu'on peut.
Faut qu'on joue les babysitters en plus. Garde-toi près du concessionnaire, dans un coin sombre. Dans un très coin sombre. T'as conscience que ça fait genre 20 ans que j'ai rien cambriolé. T'en fais pas. C'est comme faire du vélo, il paraît. Ah bon. c'est sombre ça? Ah, on va reculer. Allez, on descend de cette jolie caisse. Oh! Stylé! Qui a eu l'idée de foutre un concessionnaire dans ce coin paumé? Quelqu'un qui en a rien à secouer de vendre des bagnoles. Apparemment. Allez hop, on ouvre par là. Pas d'alarme. Cool. Cool. Ok, il doit bien y avoir 20 ordinateurs ici. S'il est connecté, c'est pas celui qu'on cherche. Ok, ça c'est équipement tactique. Ok, d'accord. Ça. C'est quoi ça sur le bureau? Eh, près de l'ordinateur. C'est pas une lettre? Les deux, hop, allons petit fouiller. C'est celui-là. Don't not connect internet. Ne pas connecter internet, ok. Ok, Kai. Transfert de données. Et merde. L'alarme silencieuse. Ouais. Et c'est pas des flics. C'est pas des flics. Ils arrivent. Fouillez partout. Je vais aller voir. Ben. Il y a quelqu'un, faut le retrouver. Il y a quelqu'un qui tire. Non. C'est pas... Ouais, ouais. Visez un peu là-bas. J'ai entendu tirer. Je passe par là. Ils sont cons ou quoi? Eh oh, je suis là. Je suis là, bordel. Tyson, ils ont du renfort qui arrive. Alors, qu'est-ce que tu dis de ta première journée d'homme libre? Entre la prison et ça, je préfère ça. Ah pétard. Ils se ramènent à plusieurs là. Les voilà. Ah, mais il y a combien? Il y a combien de mecs, bordel?
Bon, on est toujours en vie. Bon travail, c'est déjà... ça. On apprend quelques trucs bien utiles quand on est flic. Tiens, d'ailleurs, tes vieux potes vont pas tarder. Merde. Oh, shit. Un jeu d'enfant, qu'elle a dit. On rentre, on ressort, qu'elle a dit. Mes vieux collègues. Attention! J'ai un connard en forêt de... Voilà. Changeons un coup quand même. Je le vois. Quoi, il en reste encore? Par ici. Toi, je te niquais ta maman, toi. Il m'a mis la sauce, lui. Oh. Oh my god. Bon, c'est le moment de se barrer. Oh no. Oh shit. C'est de côté. C'est quel côté? Putain mais... Ok bon. Pas mort. Ils sont toujours en vie. Attention. Oh. Il nous faut. On les descend. Regarde là-bas. Bougez. Alors prendre ça. On décarre de là. Allez, allez, allez. Prends par le lit de la rivière. Wouhou. C'était vraiment un truc de dingue. Guy, on a les fichiers. On revient. Non, pas encore. Faut d'abord qu'on trouve Boomer. Oh shit. Fous de ma gueule. Il travaille dans la case de Kang. C'est
est pas loin d'ici. Pas moyen de déchiffrer ce fichier sans lui. Guy, les types du concessionnaire. Ils sont à nos trousses. Écoute, tu veux faire mal à dose ? Ça, c'est l'étape 1, tu piges ? Ok. Pigé. Oh, on reste en contact. Pas tout seul. Je crois qu'il faut monter en haut. Faut bien faire plaisir aux dames. Oh. Oh my god. Ok. Ok. Garde-toi là. Faut qu'on trouve ce boomer. Ben allons-y. Alors. Oh. Ouais, je vais prendre ça. Bon, il y a un truc là dans la dentelle. Par où là? Bah c'est pas où bordel. Attention mec. Oh merde! Bon, c'est pas grave. Tant que je récupère le mec, ça me suffit amplement. Bon, j'aurais bien voulu le capturer quand même. Mais bon. Fuck. Oh, oh shit. Ok. Bon, je suis mort assez banalement, hein. Je l'accorde. C'était un peu con. C'était un peu con de ma part. Hein. Bon, allez. J'espère que je vais réussir cette fois-ci parce que je suis mort un peu comme un con. Je crois que je vais prendre notre arme.
J'aime bien le Mac, on va prendre le Mac. Ouais, je crois que je vais plutôt prendre la KM. Bon, je vais modifier là. Canon lourd, ça ira comme ça. Avec ça. Canon lourd. Allez, c'est parti, on va aller comme ça, tranquillou. Bon. T'as eu un partenaire, allez hop. J'y arrive pas. Ouais, ouais. C'est ce que je t'ai dit. Fais confiance pour que je m'occupe de ces trucs, donc il faut que je reste tard. Tu veux que j'aie ma promotion ou pas? Ok. Ok. Non, non, je veux pas. Je suis dans un bureau. Comment tu voudrais que je... Ok, on va au Busan. Ok, ouais, ouais. Je m'en cogne de ce que Grace pense des réservations. Ça va, ils doivent pas commencer avant genre minuit. Ne bouge plus! Ok, ça va! Stop! Voilà. Maintenant, run! Bouge de là, mec! Arrêtez-le! Hell. Là je prends sur une mission. Wow. Coucou. Hey les mecs. Ça vous a calmé ou pas? Oui. Oui. Non. Non. Ça va. Non. Enfin la perso ça m'aurait calmé hein. Quoi, tu me vois? Là-bas! Là-bas! Retrouvez-le! Je le vois pas! Je le vois pas! Hey, là-bas! Est-ce que tu vois mes balles? Tu l'as eu! Et le vite! Descendez-le, mais. Ta gueule, toi! Ça fait chier! Oh non! Oh fuck! Oh non! Oh shit! Holy shit! Bon la KM on va oublier. Bon comme j'ai capturé le mec, je vais pas aller par quatre chemins. Les mecs je vais les tous les niquer et voilà. Ça ira. Aussi vite qu'une lettre dans une boîte aux lettres. Oui. C'est un petit peu fail, mais bon. Bon, c'est pas grave. Que j'aimerais bien le capturer encore une autre fois. Juste pour le fun. On va cacher ça là. Hey, message ? Ouais, Kang est en panique comme d'hab. Ils les ont eu ces types ? C'est bon. La rotelle ! Attention ! Ok, qu'est-ce qui se passe?
Il bouge plus. Ah merde! Attention! Ah, merde. Chiant, chiant. Chopez-le! Quel mec a capturé là-bas? Pas dans l'indiscrétion, hein. Ouais, t'aurais dit attention, mais il vient pas m'aider. Il est gentil, hein. Le feu va le déloger. Par là. J'y compte bien. Par ici! Par ici, je crains! Oh! Je l'ai eu! Ah, non. Jamais. Oh! Bande d'excité. C'est moi! Allez! Par là! Par là! Chopez ce type! Tu l'as eu? Toi! À terre! Hé! Hey, par là! C'est quoi ce bordel? On essuie des tirs! Il est passé où? Faites attention! En tant que. Allez! Il est juste ici! Eh, t'en fuis pas, saloperie. Putain, Nick. Bien visé. J'annonce officiellement que tu me fous les jetons. Je pense que tu peux entrer. Merci. Oh. Allez, quoi. Je peux plus respirer là-dedans. De l'activer ça, même okay. Si ça sert à rien. J'ai entendu des coups de feu. Ah bon? Ouais, j'ai rien entendu, et toi? Vous voulez bien ouvrir ce truc? Allez, quoi? Eh oh! Eh oh! Laisse-moi deviner. Coucou? Boomer. Oh putain, merci! De... T'es l'ami de Kai, c'est ça? L'ami de Kai? Non, pas vraiment. T'es arrivé? Tu sais les fichiers que Kai m'a demandé? Ils m'ont chopé en train de les télécharger. Ils voulaient te faire passer dans un broyeur? Tout le trip criminel fou furieux, ça te parle ce genre de truc? Eh ben, on a affaire à ce genre de psychopathe. Mais t'as récupéré le matos, pas vrai? Évidemment. Tout est sur mon portable, qui est dans ma bagnole, qui est de l'autre côté de l'entrepôt, qui est rempli de garde à merde. Tu ferais mieux de rester dans le coffre. Comme ça, c'est plus sûr. Quoi? Non. Je t'accompagne. Je te laisse pas en plan, c'est promis. Eh, hey, sans ma carte d'accès, toi, tu restes coincé dehors. Eh hey. Merci. Eh, hey, non. Eh, hey, reviens. T'as pas d'être passé me voir, quoi. De rien. Hey, c'était pas cool. C'était pas cool, mec. Pas cool du tout. Ah, j'adore. Il faut aller où? Sors pas. Faut t'aider. Allez, quoi, s'il te plaît. Monte la garde pendant que je suis dans l'entrepôt. S'il y en a d'autres qui se pointent, je te préviens. Ok. En fait, lui, il sert juste de... Arrête-toi tout de suite! Voilà! Non! Toi ta gueule, hop!
Tiens, c'est chiant là. En tout cas, j'aime bien la musique. Non, ça l'éteint. Oh, mec. On peut le rallumer. Et où le téléphone? Sérieux, il est où le téléphone? Peut-être dans... là-haut? Sérieux, il a eu le téléphone. Je récupère un téléphone, mais... ah, c'est peut-être pas. Ah, Tyson. Cool. Je prends l'ordi du gamin. Hey! Wow! Holy shit! Holy shit! No! Oh my god! Nick, qu'est-ce qui s'est passé au juste? T'inquiète pas. Je suis en route. On va dire, c'est juste un connard qui a voulu me. Ça m'étonnerait qu'il s'en sort forcément par ici. Je suis sûr qu'il est là.
Je vais vérifier. Quelqu'un nous aligne. Putain de couille. Je l'ai dit, arrive vers toi. 1, 2, 6 types au bas mot. Et les policiers. Ils sont dans l'entrepôt. T'en as eu un. On voit que dalle ici. Pas mal hein, de jouer avec ça. Ça pour faire péter la caisse et me faire péter avec. Hé, de ce côté. Nick, il m'en... Merde, je peux pas tirer là. Merde, y'a d'autres types qui arrivent. Tyson, le coffre est vide. Oh fuck. Ça suffit. On y va. Compris. Il est passé où lui? Eh, il est où le gamin? Aucune idée. Il a dû se barrer. Je veux mon portable. Putain. What the fuck, lui sort lui. Après, ok, go, go, go. Go, go, go. Contourne-les. Oh, à gauche, à gauche, ouais, à gauche. Ouh, à gauche. Ça passe, ça passe, ça passe. Le long de la rivière, les arrêts de passe. Pourquoi? 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 Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi? Pourquoi je suis passé par là? Je me le demande. Je me le demande. Pourquoi je suis passé par là? Quel con. Quel con. Pourquoi je suis passé par là? Quel con. Complètement taré. Je suis complètement taré. Hop là, P90. Go, go, go! Ouais, go, go! Contourne-les! Ou à gauche! À gauche! Allez, fonce! Ça passe! Ça passe! Ça passe! À droite! Le long de la rivière, et t'arrêtes pas! Ils peuvent pas tirer les mecs là, à mon bord là. Ouh.
C'est survolté ce type de là. Wow. What the fuck? Ah non. Oh non, non, non. Quoi? Je crois qu'on les a vraiment énervés. Non. Je crois que vraiment... Non. Tyson, élimine-les. Pas moyen de tirer, ça bouge dans tous les sens. Ok, ouais. Alors on change de place. Attrape le volant. Ok, ok. Stabilise-la, stabilise-la. C'est bon, c'est bon. Bon. Ah, je peux faire ça. What? Maintenant, mets le paquet. Ouais, là, il y a limité. En voilà un autre. Là, il y a les munitions limitées. Abandonne pas. Ouais, mais... Putain, c'est... Quoi, bordel? Ah, sérieux. Wow. Ah merde. Ah shit. C'est quoi ce bug là avec la voiture là? What the hell? What the hell? C'est quoi ce bug? On va leur tomber dessus. Maintenant, mets le paquet. En voilà un autre. Bon, ok. On va dire que les C4 sont pas admis. Ok. Donc on va faire 100. On va faire 100 les C4. J'ai d'accord. Fuck. Pourquoi ça s'est autocollé sur la caisse quoi? Arrête-toi au coin de la rue. C'est trop con ça. On va leur tomber dessus. Maintenant, mets le paquet. Ouais, tu vas fumer du con. Tu l'as eu. En voilà un autre. Faut qu'on se barre. Je l'ai dit aussi. Abandonne pas. Ah, oh, sérieux. Wow. Non mais sérieux. Putain, mais il se prend tous les trucs lui. On prend le métro, ok d'accord. Attention, attention. Je sais. T'as pas intérêt à refaire le coup. Waouh. S'échapper en voiture, objectif atteint. Purée.
Cet épisode, what the fuck? Survolté. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. Ok. Ça, ça a déchiré grave. Tu peux me dire pourquoi il leur faut une armée pour garder une casse? T'as vu la cam? De quoi tu parles? Les bagnoles. Vas-y, file-lui une médaille. Ils démontent des voitures volées, ils les remplissent de drogue, et ensuite ils les remontent. Pour les refourguer au concessionnaire ultérieurement? Merde, c'est ça que j'aurais dû faire. Ici, c'est la concession de Kang. Les trains lui apportent des caisses volées, des caisses venues d'un peu partout. Et Kang bourre les caisses de drogue. Les hommes de Dose conduisent les trains. Les hommes de Dose? Tiens donc. Ouais, les trains déchargent à la casse de Kang et le tour est joué. C'est tout près d'ici, en fait. C'est pas très loin. Allons foutre en l'air le business de ce monsieur Kang. Ouais, pourquoi pas. On avait une journée tranquille pour le moment. Tranquille. Ouais. Tranquille, ouais. T'appelles ça tranquille, toi? Moi, j'appelle ça foutre en l'air, journée à moi. Voilà, mettre canon lourd et en avant Shimon. Ok, tout le centre de l'opération est là. J'espère que ça vaut le coup. Tant que ça fait chier Dose, ça en vaut la peine. Alors, c'est qui ce Kang? Il tient le centre de LA, il fout les gens dans des broyeurs, sa femme est super bonne, il paie bien. À part pour l'histoire du broyeur, il a l'air sympa. Il est aussi au centre de l'opération que Dose mène à LA. S'il tombe, Dose se retrouve sans amis. Intéressant. Tu vois là? C'est là qu'ils déchargent, les hommes de Dose. Ils foutent la pression aux Coréens. On va aller se présenter. Ok. Bonjour, messieurs. Le blast. Il est juste ici. On y va. Il est parti. Je te lâche pas, Nick. Cauchemar. Arrêtez-le!
quelqu'un pour une cette caisse? Ils doivent garder un truc important là-bas. On va voir ça tout de suite. Oh my god. Il y en a pour 9,9 millions de dollars de cocaïne. T'es le Rain Man de la drogue ou quoi? Bon allez. Rain Man de la drogue. Y'a pas moyen que je laisse ça au flic. Mais tu ferais quoi de tout ça? On est à Los Angeles. En 6 jours, je peux tout liquider. Non, je peux faire mieux. Je connais un basketteur pro. 4 jours. Tyson, je plaisante pas. On y va. Je laisse pas ça traîner ici. Tu veux m'aider, te gêne pas. Sérieux, doit piquer des pointes à 2 à l'heure. Tu seras à Hollywood dans une semaine, mon gars. Oh, c'est pas vrai. Hey, Tyson. Pas d'œuvre. Alors qu'est-ce que tu fous? C'est cette saloperie, je suis presque libre. Ou bien, alors tu sors de leur vitesse. Tyson, bordel de merde. Tu te mets derrière et tu pousses. Allez. Oh. Oh, putain. Quel con celui-là! Ah putain! Oh là là! Oh shit! Bon, encore du blanc. La gueule qui se met. Pas un mot, compris? Quelle fine équipe. Donc voilà. Bon, ce sera tout pour cet épisode 6. C'était assez marrant la fin. Bon, je vous dis à plus tard pour faire l'épisode 7. Donc à bye bye, à plus tard. C'était Gunshot de la FMS Team.